Des petits déjeuners pour perdre du poids sans avoir faim. Selon le proverbe, il faut petit déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince et dîner comme un pauvre. Pourtant, la plupart des gens ont pour habitude de sauter le petit déjeuner ou ne lui accordent pas suffisamment d'importance. Dans cet article, nous vous expliquons de quelle manière vous pourrez préparer trois petits déjeuners complets et salutaires qui, tout en étant très nutritifs, vous permettront toutefois de perdre du poids grâce aux fibres qu'ils contiennent. Lequel des trois vous tente le plus? Un cocktail vert, la meilleure façon de perdre du poids, à la fois efficace et salutaire, ne consiste pas à sauter des repas, à compter les calories ou à manger peu, mais plutôt à choisir des aliments nutritifs et riches en fibres qui calment la faim. Voilà pourquoi nous proposons ce petit déjeuner à ceux qui veulent perdre du poids sans avoir à rester sur leur faim toute la matinée. Un cocktail vert. Bien que son nom puisse vous surprendre, son goût est délicieux, et si vous n'avez pas très faim au réveil, vous pouvez également l'emporter et le boire durant la matinée. Pour le préparer, il vous faudra un mixeur. Ingrédients: quelques feuilles tendres et fraîches d'épinards ou de mâche, un demi-avocat, une demi-banane bien mûre, un verre de boisson végétale, de riz ou d'avoine de préférence, ou du jus d'orange sans sucre. Une cuillère à café de graines de lin, un zeste de citron râpé, du sirop d'agave, du miel ou de l'extrait de stevia purifié. Mixez bien les ingrédients pour obtenir un cocktail de consistance crémeuse. Si vous le préférez plus liquide, ajoutez un peu plus de boisson végétale. Vous pouvez varier les ingrédients au rythme des saisons et selon vos goûts, en augmentant ou en variant les fruits secs, les graines, la boisson végétale ou les fruits. La crème boue de vigne, nous recherchons là un petit déjeuner très complet qui puisse nous apporter suffisamment d'énergie pour toute la matinée. Aussi aurons-nous recours à la célèbre crème boue de vigne, une recette créée par le docteur Kousmine, qui nous fournit tous les nutriments dont nous avons besoin le matin au réveil. Ingrédients: 4 cuillerées de fromage blanc frais ou un demi-yaourt nature, 2 cuillerées d'huile de graines de lin, du jus de citron, 2 cuillères à café de fruits secs ou de graines crues et moulues, sésame, tournesol, pignon, noix, amandes, etc., 1 cuillère à café de miel ou de sucre de canne, 1 cuillère et 2 pollen, 3 cuillères à café de raisin sec ou de figues sèches, 3 pruneaux, 2 cuillères à café d'avoine crue et moulue ou que l'on a fait tremper durant la nuit. Comment la prépare-t-on? Battez le fromage ou le yaourt avec l'huile, puis ajoutez le jus de citron et le reste des ingrédients. On peut également lui ajouter des fruits frais et l'accompagner d'une infusion digestive. Si vous digérez assez mal les produits laitiers, vous pouvez les substituer par 3 cuillerées de crème de fruits secs, amandes, noisettes, etc., sans sucre, que vous trouverez dans les magasins de diététique. Le petit déjeuner du dimanche, les crêpes de sarrasin. Nous aimons tous faire une exception et nous régaler, mais si de sucre il s'agit d'un avantage pour la santé, nous éprouverons encore plus de plaisir à le faire. Nous vous proposons de préparer des crêpes avec de la farine de sarrasin, ou blé noir, que l'on utilise beaucoup en France et qui contient une grande quantité de fibres tout en étant plus digestive. Grâce à cela, la recette est également permise aux personnes qui souffrent de maladies cœliaques, puisqu'elle ne contient pas de gluten. Cette céréale est efficace pour combattre l'obésité, la dépression, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Ingrédients: pour 8 à 12 crêpes, 1 verre et demi de farine de sarrasin, 1 petite cuillère de sel marin, 1 verre d'eau froide, 200 ml, 1 œuf, de l'huile d'olive. Préparation: mélangez l'eau et le sel. Ajoutez la farine peu à peu et remuez jusqu'à ce que vous obteniez une pâte lisse. Ajoutez l'œuf et battez bien la pâte. Laissez reposer la pâte dans le réfrigérateur pendant 1 à 2 heures, et la voilà prête pour faire les crêpes. Faites cuire les crêpes dans la poêle, avec un peu d'huile et en les retournant comme à l'habitude. Pour que cela reste un petit déjeuner sain, nous vous recommandons de ne pas utiliser de crème préparée, de crème fraîche et de sucre pour les garnir, et choisissez plutôt l'une de ces options: crêpes sucrées pure cacao amer, miel et yaourt, compote de pommes, raisins sec et noix, confiture d'orange allégée, zeste d'orange râpé, cannelle en poudre, crêpes salées, œufs, laitue et mayonnaise, guacamole et fromage frais, roquette et saumon fumé ou mariné. Photographie reproduite avec l'aimable autorisation de Artful Gourmetnik, de Neil Conway, de Shin Carefly et de Vanessa Yavonne.